ce cavalier du 3e régiment aurait eu la gorge tranchée si un avion ne lui avait pas sauvé la vie. Hier, cette jeune mariée aurait appris la mort de son mari sur le front de l'Ouest si les chars n'avaient pas roulé jusqu'aux premières lignes. Aujourd'hui, grâce à l'énergie léopoldine, nos usines rouvrent leurs portes, nos employés gagnent leur bureau, nos concitoyens recommencent à vivre. Mais demain, cette veuve voudra électrifier la clôture autour des prés qui appartenaient à feu son mari. Demain, ce docker à qui un obus a arraché la jambe aura envie d'installer le téléphone dans la boutique qu'il vient de racheter. Demain, cette fillette aura besoin de se rendre en toute sécurité à l'école. Mais heureusement, en améliorant le système d'extraction d'âme léopoldine, le professeur Van Kurtz construit aujourd'hui l'instrument de la civilisation. Les sauvages de nos colonies trouvent enfin leur usage au service de la paix. Le système léopoldine, humain, supérieur, tout simplement. Cette note fait suite au dysfonctionnement de la Léopolding. Le sujet semble avoir survécu à l'extraction. Je pense que la Léopolding pourrait inverser le processus, mais pour tester cette théorie, il me faudrait retourner au bateau. Autopsie des résidus de la Léopoldine. Chez les sujets 37 à 42, il y a eu l'apparition de copies difformes du corps d'origine. Mais hélas, le cycle cellulaire s'est interrompu spontanément et aucune chimère n'a pris vie. Par conséquent, j'irai au bateau demain récupérer les derniers échantillons de la Léopoldine.
Johan de Van Kurtz, entrée du 27 mai. La délégation commerciale de la compagnie des Indes africaines est censée arriver dans la soirée. La projection est installée, et lorsque nous arriverons au chiffrage des profits, ces charognards en haute forme se délecteront de nos résultats d'année. Ces primates confient la culture souillée de sueur dans nos pays.
bateau a pris route pour Hambourg. La Léopoldine s'est révélée trop instable pour être fonctionnelle. Mais les sujets les plus récents ont ouvert des perspectives fabuleuses pour l'humanité éclairée. J'en suis sûr. Nous allons réparer l'homme, perfectionner la vie. Une ère de lumière s'ouvre à nous, avec une humanité plus forte, immortelle, à laquelle aucun horizon ne serait inaccessible. Humain, supérieur, tout simplement.